Allô tout le monde, depuis 2019, j'ai jamais fait de vidéo où j'étais en train de pleurer. Je veux aujourd'hui dire à toute la nation que je souffre la joie d'une mère. Le plus beau cadeau qu'une mère peut avoir, ce sont ses enfants. J'ai jamais pensé que moi Valentine, j'allais perdre mes enfants. Après un certain âge, je ne dors pas. Je ne suis plus la même. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu faire. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais, Ange Didier? Ange Didier, c'est donner corps et âme pour la musique ivoirienne. Ange Didier, travailler, on pouvait tout lui reprocher, mais il a travaillé d'arrache-pied pour la musique ivoirienne. Aujourd'hui, on l'a oublié. On l'a oublié déjà. Madame qui l'a cogné, elle en cavale. Comme si mon fils était un légume. Ses enfants qui grandissent. Aujourd'hui, même un petit coup de fil pour me dire, est-ce que ça va? Tu n'as rien à personne. Lui qui me disait, maman, je t'aime plus que tout, c'est ce qu'il me disait. Aujourd'hui, il n'est plus là. C'est pas Ange Didier que vous avez tué. C'est moi. Maintenant qu'il est mort, vous êtes content de moi. Mais sachez que il a été le premier à ramasser les trophées. Sachez que il a été le premier à vivre dans un certain luxe. Il a été le premier à faire des hits sur des hits. Parce qu'il était l'enfant de Wampier et de Lumbo Valentine. Je n'arrive pas à faire mon deuil. Quand je pense qu'on a pillé l'enfant, là. Même la voiture, ses motos, ses casques. Est-ce qu'il méritait qu'on lui fasse tout ça? Regardez mes larmes. C'est les larmes d'une mère qui... C'est triste. C'est vraiment triste parce que depuis 2019, il y a des gens comme nous. Moi aussi, je suis dedans. Il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que Didier Arafat est parti. Je ne sais pas selon vous, mais moi, au fait, je n'arrive pas à croire. On prie même qu'il s'élève. Au fait, au moment où on disait que non, il est à l'hôpital, il n'est pas à l'hôpital, il est parti, il n'est pas parti. Au fait, nous, certaines personnes, en fait, la Chine a connu, je ne sais pas. 2019 jusqu'à maintenant, moi je n'arrive pas à croire que Didier Arafat est mort. Et quand la maman, quand la grand-mère, la mémé de la Chine, Mama Tina Glamour était sortie hier, au fait, ce qu'on appelle quelqu'un a craqué, au fait, elle est hors d'elle, au fait. Elle est vraiment hors d'elle. Elle ne sait pas ce qui se passe. Depuis le décès de son fils, on n'a jamais vu cette maman. Cette mère pleurer comme ça, craquer devant une caméra, pleurer devant sa caméra, ça fait pitié. Moi, je n'arrive pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Non. Depuis hier, au fait, quand je défile mon téléphone, je suis presque tombée. Au fait, je n'arrive pas à terminer la vidéo. C'est touchant. Que Dieu apaise son cœur. Que Dieu apaise son cœur. Vous savez ce que Mama Arafat a dit? Vous avez écouté ce que Mama Tina Glamour a dit. Elle a dit quoi? Que ses amis l'ont oublié. On l'a oublié. Il a donné corps à âme. À couper, décaler. C'est comme ça la vie. C'est pourquoi moi je dis toujours, si vous avez envie de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Mais ne fais pas ça pour que, au fait, pour plaire à quelqu'un. Voilà une maman qui souffre.
Voilà une maman qui pleure. Voilà une maman qui se lamente. En fait, voilà une maman, voilà une maman qui a besoin de voir son enfant, qui a envie de parler à son enfant. Mais elle ne peut pas. Deux enfants, Carla et Didier Arafat. Les vraies fans de Didier Arafat, la Chine populaire, ce qu'on appelle fan là, ça dépasse papa, même père, même mère. Ces fans pleurent de nos jours. Certaines personnes l'oublient complètement et certaines personnes ne continuent pas à pleurer. Mais il est parti. Maman Tina Aglamo dit, quel que soit ce qu'on va lui donner, il ne peut jamais remplacer son fils, ses enfants. Courage, maman, Yako. Yako, parce que c'est Yako qu'on peut te dire. On ne peut, on ne peut, on ne peut. En fait, Yako, c'est Yako qu'on peut te dire. Yako, maman. Yako, Dieu sait faire ces choses. On dit souvent que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Elle dit qu'elle ne peut pas conduire. Elle a peur de conduire parce que elle ne veut. En fait, c'est comme ça va arriver, au fait. Elle est traumatisée. Elle est traumatisée. Courage, maman Tina Glamour. Que tu sois avec